Raconter Biber Bark, mais avant Biber Bark, il y a les théorèmes des Arsenhaus et les lèmes de Margulis. Donc je vais essayer de démontrer calmement comme c'est fait classiquement. Et donc une référence où il y a tout ce qu'il faut, et plus que je vais raconter, c'est Raghunathan. Et si vous voulez lire une vision un peu différente, c'est le bouquin des Fuston, les mêmes que Miguel a mentionné. Donc l'idée, c'est d'abord comparer donc groupe versus groupe appétit générateur. Donc dans ce cas, donc on veut, on se place dans un groupe des lits G et on a un sous-groupe de G là-dedans. On a un voisinage de l'identité dans G. Donc j'ai un groupe topologique et je prends les groupes intersectés par un petit voisinage. Je prends les groupes engendrés par ces petits générateurs. Donc on peut penser à ça, à petit générateur ici. Ça, c'est les groupes. Et on veut comparer les deux. Donc comparer les deux, c'est essayer de comprendre ce que c'est ça. Donc les cas les plus simples. Donc on va prendre G compact. Et on va fixer un voisinage quelconque de l'identité. Et je mets une composition. Donc pour tout gamin dans G, je sais que gamin, donc la cardinalité de ça, cet ensemble ici, est borné par ça, c'est cardinal. Non, je suppose rien de sur gamma. Va être borné par un nombre qui dépend que du voisinage U. Donc ça, c'est remonte à très, il y a très longtemps. C'est le résultat. Et qu'est-ce que c'est la preuve, donc démonstration? C'est un résultat du combinatoire. Donc combinatoire. Euh,
on prend un recouvrement, donc on a ici le dessin, donc ça c'est G, c'est l'identité, on a un voisinage U, et on fait un recouvrement de G. Il y a une petite question technique. Je vais prendre un recouvrement pas par U, mais je vais utiliser un voisinage donc W contenu dans U, et je vais imposer que W au carré et son contenu dans U. Quand c'est un voisinage un peu plus petit, W. Donc j'ai fait un recouvrement par W. Donc on a une on écrit G union G W. Donc ici je vais, c'est là que va apparaître cette fonction I de U. Je vais appeler I ici. Même si ça dépend de W, je vais noter U. Donc ça c'est un nombre fini parce que j'ai compact. Et ce qui va se passer, c'est que si je prends gamma sur ça, ça c'est forcément plus petit que I. Pourquoi ? Parce que si je prends, supposons que je prends les classes latérales de gamma, donc j'écris gamma comme U. Donc j'ai écrit ces classes et si n est plus grand que I, U, donc il y aura un moment. Alors il existe deux indices gamma I, gamma J, qui sont contenus dans les mêmes voisinages, dans les mêmes ouverts. Parce que je n'ai que I, U ouvert. Que et gamma J appartiennent à un G alpha W, forcément. Donc c'est là que la combinatoire entre de façon très très crue. Donc ça veut dire que gamma I, on peut l'écrire comme un G alpha UU, G alpha UJ, et du coup, gamma I moins 1 gamma J est égal à UI moins 1 UJ qui appartient au voisinage W, comme je vais supposer ici, appartient à U. Donc en fait, contradiction, ils sont dans la même classe. Ça appartient à mettre directement une contradiction. La conclusion est que on finit les théorèmes. La proposition. Hein ? C'est bon ? C'est clair ? Donc là, je pense que dans cette preuve, il y a tous les résultats sont là-dedans. Donc tout est. Tout Lieberbach est une extension de ça, l'M de Marzulli c'est une extension de ça, si on a compris ça, c'est bon. Hein? Donc ça c'est la partie combinatoire. Il manque évidemment un. C'est quoi le truc rouge? C'est pas bon? Il y a un. Ok.
Donc ici, on ne dit rien sur si les groupes sont discrets ou pas. Je vais donner deux exemples. Donc, exemple. Le premier exemple, c'est gamma continue dans G compact quelconque. Je vais dire qu'il est dense. Un groupe qui n'est pas discret. Il n'est pas discret, dense. Donc dans ces cas, égal densité. N'est-ce pas, G? Donc ça, c'est un exemple trivial, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour réaliser ça. Donc, le deuxième exemple, on va prendre gamma dans SO3. Donc je vais exclure les groupes qui ne sont pas discrets. Je vais prendre discret, donc fini. Donc c'est classifié, il a les groupes cycliques, diédral. Après il y a 3, S3, 5, S4, ou S4? Non, A4, S4 et S5. Les groupes de symétrie des polyèdres. Donc on note que il y a. On peut appliquer cette proposition, sauf que il y a des groupes finis qui sont très loin de l'identité. Et si on prend un voisinage qui est proche de l'identité, on va. Un voisinage très proche de l'identité, l'intersection va être triviale. Ça ne va pas dire grand-chose sur ces groupes. Par contre, si on prend des groupes cycliques et dihédraux, là, on peut avoir des accumulations autour des petits voisinages. Et c'est une observation, c'est que les groupes tendent à être abéliens. Si ils s'accumulent à l'identité. Bon, c'est les résultats des Jordan. Je vais énoncer les théorèmes des Jordan. On va mettre l'hypothèse que les groupes est discret. Donc j'énonce Jordan. Donc si gamma dans le NC est fini, alors il contient un groupe abélien distingué. D'indice borné donc ici IN c'est une fonction qui ne dépend que de la dimension. Donc pour montrer ça il faut un peu plus d'outils parce que on veut imposer que essentiellement les groupes est fini. Donc on marque c'est que dans ces théorèmes il suffit de considérer gamma puisqu'il est fini dans un groupe compact dans GLNC et donc on peut utiliser la proposition d'avant. Mais il faut une information supplémentaire. Une remarque sur cette fonction.
On peut donner une borne exacte, et ça a été donné par Weisfeller. Et complété par Collins en 2007. Donc IN, c'est une borne optimale, c'est N plus 1 factoriel. Donc on voit bien que. Et ça, c'est pour N grand. Donc c'est pour N plus grand que 71 avant, et il y a des problèmes. Et si ça utilise la classification, c'est compliqué, classification des groupes finis. C'est compliqué. Donc l'ingrédient qui manque pour montrer cette borne, c'est Zassenhaus. Est-ce que si j'ai dans la bonne ordre? Oui. Donc, je vais lancer. Donc le théorème. Donc évidemment Zassenhaus c'est bien plus tard. Je pense que les théorèmes que je vais lancer c'est des 38, mais il est déjà contenu à naissance dans Jordan et dans les théorèmes de Bibarbar bien avant. Donc soit j'ai groupe de Guy. Il existe des images de l'identité telle que si gamma continue est discret, alors gamma inter U, le groupe engendré par des petits générateurs U, est nilpotent. Donc j'y rajoute un résultat que je ne sais pas si historiquement c'est bien attribué. Donc dans Raghunathan, il est attribué à Kashdan Marmilis, qui dit que en fait ces groupes nilpotents, il est contenu dans un groupe d'Eli, un sous-groupe d'Eli nilpotent. Des plus. Dans N, dans G. En tant qu'un réseau uniforme, dans sous-groupe d'Eli N nilpotent. Une fois, c'est co-compact, quotient compact. Donc ça complète bien le voisinage. C'est la notation, les voisinages qui satisfait ces résultats, c'est U. Satisfaisant la conclusion et un voisinage de Zassenhaus. Donc du coup peut-être je montre comment obtenir Jordan à partir des Zassenhaus. Donc si on prend U
un voisinage des océans, forcément. Les groupes, preuve, démonstration de des éléments. Donc le gamma, si on prend U assénance, donc U intergamma va être mu photon, avec un indice fini, avec indice fini dans gamma. Ça on sait. Et de plus, ces groupes ici vont être contenus dans un groupe nilpotent. Contenu dans un groupe compact. Donc vous pouvez écrire K, groupe compact. Donc on peut raisonner qu'un groupe quelconque fini de GNC est contenu dans un groupe compact, pour rendre le compact maximal des contenants. Et on sait qu'il n'y a pas des groupes nilpotents contenus dans un groupe compact. C'est un sous-groupe. Je peux tout mettre avant dans ce cas. Donc on sait qu'il n'y a pas des groupes sous-groupes nilpotents dans un groupe compact. Il faut montrer ça, mais je suppose qu'on y... Il n'y a pas. Bon. Il n'y a que des abélias. Il n'y a pas, sauf abélias. C'est facile. C'est un truc très facile. Mais je ne vais pas le faire. Je vais montrer les termes des assénances. Donc ce qu'on fait, c'est démonstration de assénances. L'idée, c'est que si on prend des petits générateurs, alors les commutateurs va décroître encore, va être plus petit encore. Donc chaque fois qu'on prend des commutateurs, on diminue la taille de l'élément. Et si le groupe est discret, forcément il va être identifié à un moment. Donc l'idée c'est des commutateurs. Contracte. Donc je vais faire un petit calcul simple pour montrer que ça contracte. Donc je vais supposer que c'est... Bon, on est dans un groupe Deli et je vais paramétrer les groupes dans un voisinage par l'algèbre. Et toute algèbre des groupes Deli est une algèbre des matrices. Donc je vais supposer que je suis à l'identité. Je vais écrire un élément quelconque A comme un 1 plus X ou X. C'est un élément d'un certain GLN. Donc une identité ici. Et ce qui nous intéresse, c'est prendre deux éléments, AB. AB. A moins 1
B moins 1, et estimer ça. Et je vais utiliser la norme des matrices, peu importe la norme qu'on utilise. Je fais ce calcul. Donc, je fais le calcul, c'est I plus I. Excusez-moi, je vais calculer la norme, la différence à l'identité. C'est ça que je voudrais estimer. Vous montrer que les commutateurs contractent la norme, la différence de la norme avec l'identité. Donc ça, c'est AB moins, je multiplie par B, B, A, ici. Et je dois avoir un AB. B moins 1. Ça a l'air juste. Ouais. Et si je substitue A et B I plus Y, on fait ce calcul, ça fait les commutateurs des X et Y. Presque là. Je peux faire une petite estimation ici en prenant 2 fois x, y, norme de 1 moins 1, norme de 1 moins 1. Je suppose que ma norme est submultiplicative. Et donc, à la fin, je vais l'estimer comme ceci. Et ça va nous suffire. Donc, x et y sont très petits. A est proche de l'identité. Donc on suppose par exemple, 1 moins 1 et B moins 1, un norme, sont plus petites que 2. Je pourrais mettre 1 demi, mais... Et j'ai cette inégalité, 8, x, y. Donc si je choisis x et y, si a et b sont dans un voisinage de taille tel que plus petit que 1 sur 8, tel que x, donc ces nombres vont être encore plus petits qu'un sur 8. Donc on conclut que les commutateurs est contractant sur U. Donc ça veut dire que si je prends un nombre suffisamment grand décroché, et si les groupes sont discrets, il y a un moment où les crochets vont être l'identité. Donc pour un nombre décroché, grand, on obtient l'identité.
Et si on obtient un nombre de, si on obtient l'identité, ça découle que les groupes nilpotents. Il y a un petit lemme à faire. Peut-être que je laisse l'énoncé du théorème et j'efface la preuve. Il a un argument à faire. Je vous laisse cet argument à finir. Ouais, si les générateurs sont omnipotents, avec les générateurs, les crochets donnent l'identité à partir d'un certain rang, les groupes lui-même va être omnipotent. Donc il a un argument à faire. C'est exactement le. Oui, exactement. Ça. Maintenant, si on veut aller à des voisinages des plus en plus grands, comment il est nécessaire d'un biderma, il faut un argument qui je ne me préoccupe pas des groupes aptés générateurs, mais des groupes à petits déplacements. Donc il y a un saut à faire. Donc ça, c'est le deuxième thème. Avant, c'était groupe à petit générateur. Ici, c'est groupe versus groupe à petit déplacement. Est-ce que j'ai le temps ? L'idée, c'est de, comme Miguel a fait, ce qui m'intéresse maintenant, c'est prendre des espaces où il y a un groupe qui agit par des isométries, donc, comme il est expliqué, K compact ici, et G agit par l'isométrie. Donc typiquement, si je prends un élément de G qui est dans K, alors il est dans le stabilisateur et il peut être très grand et il va déplacer très peu l'élément, l'origine. Donc ça ne rentre pas dans les cadres du théorème de Zassenhaus. C'est simplement une remarque. Si G appartient à K, G déplace. La distance, je prends une métrique périnomienne, j'y déplace très peu l'origine. En fait, je déplace des zéros. Et si j'ai prends G, alors dans un voisinage de K, si j'ai proche de K, donc on va avoir des G hauts. Petit. Donc c'est ça que je vais dire par petit déplacement. C'est des éléments dans les groupes d'isométrie qui déplacent très peu un point. Donc ils ont une structure aussi agréable à décrire, donnée par les lemmes de Margulis. Je vais énoncer.
l'aime. On peut voir comme un lemme purement combinatoire. Comme les premiers calculs que j'ai faits sur un groupe compact. C'est les mêmes genres de résultats combinatoires. Donc soit j'ai le groupe des groupes. Je n'ai pas besoin des groupes des lits, mais j'ai, c'est comme dans les premiers résultats, un groupe topologique CRS. Continue dans G, sous-groupe compact. Donc on fixe U, voisinage de l'identité. Alors il existe un voisinage que j'appelle V de K, tel que gamma pour tout gamma dans G, les quotients donc inter V, la cardinalité de ça est plus petit que un certain U de U. Donc si vous vous souvenez les premiers énoncés que j'ai donnés pour les groupes compacts, ici j'avais U, donc je prenais des groupes à petit générateur. Ici je prends des groupes à petit déplacement. Donc V, c'est un grand voisinage, je fais un dessin. L'identité et ici j'ai mon groupe compact K qui contient peut-être je vais faire une couleur ici K c'est et j'ai un voisinage de l'identité U. Donc ce que je vais faire, c'est je dois construire un voisinage de K. Donc les voisinages de K, je vais faire un couleur différent. Donc, voisinage de K. Là, donc ça, c'est, tout ça, c'est ça va être V. Donc l'idée c'est que je vais recouvrir ces voisinages de K par U. Donc, je vais faire comme ça. Et c'est le nombre de voisinages, de translation de ces voisinages qui va être la borne I. Donc encore une fois, il y a ces petits détails techniques où il faut faire un recouvrement par des voisinages contenus dans U satisfaisants tels que moins 1, W carré, sont contenus dans U. Alors, je vais prendre un voisinage un peu plus petit là-dedans. Donc faisons ça, si j'ai fait ça. U
va recouvrir V avec essentiellement I, U morceaux. Pardon ? Oui, il existe V. Il existe. Au chaque U que je fixe, il existe V tel que les cardinales soient plus petits que ça, un nombre qui dépend que de U. V dépend de U. Pour chaque U, je vais trouver un V qui satisfait ça. Parce que les plus intéressants, c'est les V. C'est, en fait, Zassenhaus, il va fixer un U. Et ici, je vais dire que je vais trouver un voisinage de K, de mon sous-groupe, qui satisfait une inégalité. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. Mais... C'est quoi, c'est-à-dire I, ça va augmenter. Les cardinales, ils augmentent de plus en plus ici. Donc, d'accord. Donc I de U, je vais définir. I de U va être les nombres de des boules qui vont être nécessaires pour couvrir essentiellement K. Donc peut-être que je commence la preuve et ça va être clair. Donc, je vais recouvrir, je vais fixer U fixé. Et donc j'ai, je ne vais pas répéter les dessins, mais je suis obligé. D'autres ici, j'ai U et j'y recouvre K. Ici c'est K. Et donc j'ai un certain nombre de des voisinages, mais moralement c'est ces nombres qui vont apparaître ici. Mais il y a des détails techniques. Donc, d'abord, je vais fixer un voisinage au taux de K. Voici un voisinage qui est recouvert. C'est un voisinage relativement compact qui est recouvert par, par des translatés des U. Et dans ces voisinages, donc, soit j'ai déjà utilisé V, donc je vais faire V', voisinage de K recouvert un voisinage de K, un voisinage relativement compact recouvert par par des translatés Je peux prendre une réunion de, par exemple, un voisinage quelconque. Et là, c'est la combinatoire est plus subtile. Mon voisinage V va être un voisinage tel que si je prends des produits d'éléments dans V n fois, j'ai continué dans V. Donc, on choisit maintenant. Tel que V puissance N est contenu dans V. Donc, c'est ça les choix. Ici.
C'est un choix qui permet de faire des produits sans danger, des éléments qui sont à petit déplacement, et un corps tombé dans un élément qui est proche de K. M, c'est qui? M, c'est... J'ai choisi M. On choisit M. Pour un choix. De N. On fait ça. Ah merde, c'est pas ça que je voulais. Attendre. Écoute, c'est V. Et continue dans V'. Excuse-moi. Et N en moins 2 ou... Pardon? N en moins 2 ou pas? Pour l'instant, je n'ai pas choisi, je vais choisir maintenant. Donc, je vais choisir maintenant. Oui. Oui, je vais. D'accord, je vais expliquer. Donc ça, c'est simplement l'effet que. Ça, c'est simplement l'effet que j'ai puissance N. Va dans G, cette application est continue. Donc, je prends un voisinage de l'identité, un voisinage de l'identité ici, ça donne. Donc, ça, c'est continu. Donc, pour l'instant, les N, il n'est pas fixé, je vais les fixer maintenant. Donc, et je vais les fixer en prenant compte d'un recouvrement de V'. On choisit un recouvrement de V'. Donc, I égale 1. I. C'est un peu malheureux parce qu'il y a beaucoup de lettres. Moralement, j'ai fait un recouvrement par U de V'. C'est recouvrement. Donc il y a un nombre IU des boules. Avec lesquels j'ai fait ces recouvrements. Des W, c'est simplement une question technique pour la fin, comme on avait vu dans la première proposition. Et maintenant, on choisit. On fait N égale à IU. Donc, on a associé le nombre d'éléments d'un recouvrement avec ses voisinages V. Et ce que je vais montrer, c'est que les groupes engendrés par des petits déplacements est au plus de indice I alpha IU. On montre maintenant que c'est pas clair, c'est un peu confus tout ça. Hein? Ah, les plein des. Okay.
Donc on va compter. Il faut compter. On compte. Donc d'abord on prend gamma. Donc c'est ça qu'il faut compter. Et on va commencer par les éléments plus simples. Donc on commence par les générateurs gamma z. On commence par les générateurs qui sont contenus dans V. Donc gamma inter V. Donc, peut-être je vais appeler ça gamma 1. Je n'ai pas un groupe, c'est simplement les générateurs. Donc combien de générateurs on a ? Donc, je peux calculer les nombres des classes ici. Donc ici j'ai c'est pas un vrai quotient parce que ici je prends les groupes engendrés, mais vous comprenez, j'élimine les termes qui sont ici, qui ne sont pas dans ces. J'élimine les termes qui sont ici et qui sont en même temps dans ces groupes-ci. Pardon, il n'y a pas d'intersection ici. J'ai fait n'importe quoi, c'est gamma inter U. D'accord. Attends, gamma prime, c'est quoi ? C'est gamma inter U que je vais. Excusez-moi. Hein, c'est, ici, c'est toujours gamma U. J'ai confondu U et V. Pourquoi le groupe, du coup, pourquoi gamma prime contiendrait le groupe contiendrait dans gamma 1 Donc gamma prime, c'est les éléments du groupe qui sont dans ces voisinages V. Ici, c'est simplement les générateurs. Générateurs. À petit déplacement. Déplacement. D'accord ? Et dans les mots, c'était de Marquis, c'était bien gamma, quotient départ, gamma inter U. Ouais. Donc je répète l'énoncé, peut-être que j'ai mal écrit, donc G. Non, j'ai tel que gamma inter V divisé par. Donc je vais supposer que gamma il est engendré par des petits générateurs. Gamma inter U. C'était pas ça ? Donc peut-être que je me suis trompé dans l'énoncé du. Je suis désolé. Donc l'idée c'est. Donc la morale, c'est que ces groupes ici, il va être nilpotent par Zassenhaus à la fin de l'histoire. Et ici, je voudrais que ces groupes soient contiennent un indice fini, un groupe nilpotent. Tu enlèves, on pourrait ne pas considérer U. Je me donne un voisinage de K. Okay. Tu dis ensuite, l'énoncé de l'air de Marquis, il dit que. Pour donner un voisinage de K, le groupe engendré par gamma inter V contient un sous-groupe nilpotent d'indice petit, et le sous-groupe nilpotent, c'est le groupe engendré par gamma inter Zassenhaus. C'est ça que tu dis ? Il faut commencer par U, en fait. Il faut commencer par U, et après tu trouves le V. Sinon c'est, ça ne marche pas. Si. U, c'est Zassenhaus.
Ici, je n'enseigne pas Zassenhaus. Ici, j'ai dit, je prends un U, un voisinage de liberté quelconque. Et je vais comparer mon groupe engendré par des petits déplacements avec les groupes engendrés par des petits générateurs. Ici. Donc ici, c'est, disons, petit déplacement par petit générateur. Donc pour l'instant, je n'ai même pas besoin que les groupes soient discrets. D'accord ? Ouais. Gamma est n'importe quel groupe. Donc tout gamma engendré par des petits déplacements. J'ai ça. Donc peut-être j'ai complètement foiré l'énoncé. Pardon, mais ça c'est bon. Cet énoncé, c'est le bon. Donc c'est ça que je vais comparer. Donc, est-ce que c'est clair maintenant ? On a le temps. C'est bon ? Donc, est-ce qu'il faut que je compte ? C'est ça. Donc, normalement, gamma, c'est gamma inter V. Je peux supposer que gamma est engendré par des petits générateurs. Donc, à la place de considérer les groupes entiers, j'ai commencé par seulement les éléments qui sont les générateurs. Et je vais comparer, donc je vais compter la cardinalité de ça. Et je vais aller des pas en pas. Donc, je vais comparer avec la cardinalité de gamma 2, qui est gamma 1 fois gamma 1, divisé par gamma 1. Et ainsi de suite. Donc si tous les générateurs sont des générateurs qui sont petits, donc si en fait si ces éléments sont contenus dans les groupes engendrés par des petits générateurs, donc ça c'est 1. Ça c'est il n'y a pas de terme ici. Donc, et chaque fois que je vais prendre un produit, je vais obtenir des éléments qui sont engendrés par des petits générateurs. Donc si gamma prime, si gamma est différent de gamma inter U, alors forcément, cette cardinalité est plus grande que 1. Inter. Alors, ça, c'est les pas essentiels. Et après, tout va être pareil. Donc, je sais déjà que ça, c'est plus grand que 1. Et si je veux que le groupe soit différent que celui-ci, ce terme ici doit être plus grand que 1 encore. Chaque fois, je dois augmenter au moins 1 les nombres d'éléments qui ne sont pas dans les groupes. Donc j'ai une inégalité stricte ici. Sinon, on a déjà montré les résultats. C'est-à-dire que gamma, il est égal au groupe engendré par des petits générateurs. C'est bon ? Donc peut-être c'est... Je vais effacer... Il n'y a pas un autre tableau, autre pas. Je vais effacer ici. Donc ce qui se passe, c'est que j'augmente de 1 à 1. Puis, il y a un moment où je vais arriver. Donc il y a gamma 1 inter U.
Et maintenant, je... Donc là, j'ai commencé à plus grand que 1. Et ici, je vais arriver à quelque chose qui est plus grand que IU. Si c'est plus grand que IU, ça veut dire que c'est les mêmes arguments d'avant. Il y aurait deux éléments dans ces quotients. On a alors un gamma i et un gamma j qui appartiennent à un même élément de recouvrement g alpha dw. Donc et ces deux éléments sont dans gamma i. Appartiennent à gamma. Donc, s'ils appartiennent à la même la i, c'est le même argument qu'avant. J'ai que gamma i est égal à un g alpha ui, gamma j dans g alpha uj. Et j'en déduis que gamma i, gamma j, appartient à u. C'est un élément de gamma U inter gamma. Et c'est ça la contradiction. Parce qu'on a choisi V de façon que un produit de I élément soit encore dans V. Voilà. Donc ça, c'est la démonstration de lemme de Margulis. Complètement combinatoire. Et l'application de les voisinages des Assenhaus, si on choisit U d'Assenhaus, alors la conclusion est que gamma inter V je vais écrire gamma. Exactement, gamma, engendré par des petits déplacements, contient un groupe nul-potent qui est gamma inter U d'indice fin. J'ai le droit de mettre une exclamation de plus. C'est oui, c'est indépendant. Donc il y a deux parties. Une partie est purement combinatoire topologique. Et cette partie combinatoire n'a rien à voir avec les groupes discrets. Et ici, c'est Zassenhaus avec gamma discret. Excusez-moi. Et si j'impose que gamma est discret, alors les groupes sont nulpotents. Mais donc, est-ce que
peu, si je dis ça, j'ai une connerie, ou pas, si je, enfin, j'ai une espèce de Zasanos pour un compact dans un groupe de lignes, mais virtuellement. Enfin, je suis virtuellement pivotant. Si je suis engendré par des éléments qui sont proches d'un voisinage ou du stabilisateur d'un point. Oui, Margulis, Margulis avec Zasanos, c'est la même chose que Zasanos autour d'un compact. Voilà. C'est augmenté. À la place, c'est placé à l'identité. Ouais. On se place dans un voisinage d'un compact. C'est-à-dire que le petit déplacement, il te dit que tu restes dans le voisinage d'un compact. Et après, quand tu es dans le voisinage exactement. D'un compact, tu n'es pas dans l'identité, tu es virtuellement voisinage. Oui, c'est ça. Okay. Exactement. Oui. Donc l'argument, vous avez vu, c'est exactement pareil, sauf qu'il faut, il a cette ruse combinatoire pour aboutir. Okay. Donc maintenant, on peut arriver à Biberbach. Donc cette conclusion ici, elle est très puissante, il y a plein d'applications. Je pense que dans les groupes de travail, on va faire d'autres applications de ces résultats. Biberbach. On arrive à Biberbach. Est-ce que j'avais des choses à dire avant? Ah oui, donc l'aime de Margulis. Oui, c'est bon. Pour les lèmes de Margulis, il y a plein de généralisations. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez voir le séminaire Bobarki de Gilles, qui raconte les travaux de Kapovic-Wilking, généralisation des gros morphes. Une vision de plus géométrique, plus géométrie différentielle. Là j'étais très théorie des groupes. Et d'autres généralisations aussi dans les mêmes séminaires Bourbaki, qui racontent les résultats des Ruchowski, Breuillard, Green et Tao. Là, c'est deux généralisations différentes. Ok, Biberbach. Ça part du. On se fait directement. Donc il y a plusieurs théorèmes de Biberbach. Peut-être les plus fondamentales les suivants. Pour tout groupe gamma dans les groupes d'isométrie de Rn, discret, et compact. Contient un groupe, un sous-groupe. L'indice continu dans Rn. Donc Rn ici c'est vu comme les groupes des transactions comme Miguel a raconté ce matin. Donc on peut voir les groupes d'isométrie de Rn. Comme ceci. Donc il a cette suite exacte où un élément A x plus b en général, il va dans A ici. Donc, Miguel a raconté à plusieurs instances dans les cas 1000
et solde ensuite comme ça. La preuve de ça. Je vais faire la démonstration avant que mon temps finisse et après je vais faire des commentaires sur pourquoi ces termes est très important. Donc la démonstration, d'abord, gamma est finiment engendré. Ce n'est pas essentiel dans la démonstration, mais ici c'est gratuit puisque les groupes co-compacts, tout groupe co-compact est finiment engendré. Donc là, ça c'est la première observation qui facilite un peu le travail. Après, je vais prendre comme compact ON évidemment. Donc ici c'est les groupes isométriques. Ici c'est l'identité. Et les groupes ON, il est là. Et j'ai des générateurs qui sont peuvent avoir une translation très grande. Donc, un générateur typiquement gamma U, AU, X plus un BI ici. Ce qui mesure les déplacements, c'est exactement ces termes. Ça, c'est les déplacements. Si je vais réduire les déplacements pour arriver à un V donné par les théorèmes de l'LM de Margulis, il faut que je réduise ces BI. Et je le fais simplement par une dilatation. Donc je conjugue. Donc on conjugue gamma par une dilatation. Donc c'est un gamma, donc lambda moins lambda. Et si vous faites une dilatation de Rn, ce qui se passe, c'est que lambda moins 1, gamma, lambda, il devient de x. On ne touche pas à la partie des rotations, mais on multiplie par lambda la partie des translations. C'est-à-dire qu'on peut faire la partie de translation aussi petite qu'on veut. Donc on peut se mettre dans les cas du lemme de Margulis. Et bon. On n'a plus qu'un niveau directement. Donc on applique un niveau. Et c'est fini parce que on va obtenir un groupe engendré, maintenant les groupes est engendré par des petits déplacements. Et je sais que j'ai un groupe engendré par des petits générateurs avec un disfini, un certain U qui dépend de N ici. Et ces groupes nipotents. Et on conclut la preuve en disant que ça c'était 2, 3, en disant qu'un groupe nipotent dans les groupes d'isométrie, forcément de Rn, forcément est abélien. Donc un groupe nipotent. C'est un argument aussi très simple comme dans les cas des groupes compacts. Et ça, c'est la preuve. J'ai encore quelques minutes pour 3 minutes.
Oui, donc c'est groupe abélien. Combien il va être d'indice fini? C'est un groupe abélien dont les quotients sont compacts. Et les seuls groupes abéliens des quotients compacts sont. Donc il a des petits arguments à faire, je n'ai pas fait tout. Qu'est-ce que je veux dire? Ces problèmes. Il a les 18e problème d'Hilbert, où il est question de savoir combien de groupes cristallographiques existent, s'il y a un nombre fini ou pas. Oui, un groupe cristallographique, c'est un groupe compact. Et c'est Bibarbar qui apporte la réponse. Si on fait à isomorphisme près la liste des groupes cristallographiques, c'est un nombre fini. Il faut faire d'autres arguments, mais ça passe par ces termes fondamentaux. La liste de tous les groupes a été faite au 19e pour les dimensions 3, vous pouvez imaginer. À la fin du 19e, il y avait une liste de 230 groupes cristallographiques. Et il y a 10 qui sont des groupes sans torsion, dont les quotients. Et une variété euclidienne avec, comme Miguel a dit. Miguel a donné un exemple, c'est le Thor. Et on a vu, Bertrand, il a mentionné la variété de Ranche-Wendt, qui est une autre variété de Bibarbar. Il n'y a que 10. Alors, en dimension plus grande, c'est catastrophique. Donc, dimension 4, il y a 222 000 à peu près. Et les derniers chiffres varient. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu des tables où ça varie. Il y a un site, il y a des calculs avec l'ordinateur. Ah pardon, dimension 4, c'est près de 5 000. Dimension 5, 222 000. Mais en dimension 6, il y a 29 millions à peu près des groupes cristallographiques. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Bah, tu travailles dans la Virginie et tu fais tu montres que les centres est invariant par l'action de si c'est un groupe nilpotent, il y a un centre. Et tu fais agir les groupes dans ces centres. Tu fais agir ton groupe d'Eli, c'est un groupe nilpotent sur le centre. Et tu montres qu'il y a une décomposition de ton algèbre en deux parties, les centres plus un truc qui est laissé invariant aussi par les groupes tout entiers. Et tu vas obtenir facilement qu'il y aura un autre élément dans les centres, dans cette partie, qui est à supposer qui est orthogonal au centre. Non, c'est un calcul d'algèbre d'Hilbert. Oui, c'est ça. Facile. Il y a d'autres questions ? Si les déplacements sont nuls, tu es dans les groupes orthogonaux. S'il n'y a pas des. Et on retombe dans les premiers. Dans la première proposition. Ouais. J'ai foiré bien là. C'est l'un de mes amis.